La perfection de la vie, c'est la maison. Le corps de la maison, le carré, le chiffre 4, représente la mère. Le toit de la maison, le triangle, le chiffre 3, représente le père. À l'intérieur, on retrouve la menorah, c'est-à-dire l'alliance. Si tu allumes les 7 flammes de la menorah, tu as la totalité de la vie. L'union du Père, de la Mère et du Fils unique. Quand Moïse dit « Tu honoreras ton Père et ta Mère », il parle de la tradition. La tradition, c'est toi. Tu es la tradition de ton Père et de ta mère. Tu es leur continuité. Mais sache que tu dois avoir 3 pères. Le père est triple. Tu as d'abord ton père et ta mère biologique, qui t'ont donné ton corps physique, celui qui ira au recyclage, car il est mortel. Tout comme tes parents terrestres t'ont donné le corps physique, ton deuxième père, mère, le maître, te donne son corps pour que tu vives. Il est le père de ton âme. Il peut donner ton âme au Dieu mauvais, au Dieu sombre de l'humanité, ou il peut la conduire vers la grande lumière, vers les mondes supérieurs. Le faux maître, le faux Dieu va entretenir tes illusions, pour te mener dans l'asservissement et l'esclavage, pour t'empêcher de t'éveiller. Il va t'emprisonner. Le maître authentique, lui, va te nourrir de sa sagesse. Il va t'éduquer. Il va faire en sorte que tu grandisses et que tu apprennes à penser par toi-même. Il va te libérer. Le maître authentique constitue la première porte. Si tu le rencontres, il te sort de ce monde de la terre pour te faire entrer dans le monde de l'eau. Sa préoccupation est de te faire passer au-dessus de l'eau, là où se trouve la barque qui porte la menorah. Pour te faire passer le monde de l'eau, il va t'enseigner les 4 piliers fondamentaux de l'enseignement. L'étude, la dévotion, le rite et l'œuvre, qui sont réellement une deuxième naissance. Les 4 mondes de la terre, de l'eau, de l'air et du feu peuvent être représentés par 4 parties dans l'homme. Les pieds, les intestins, le cœur et la tête. Au début, tu es dans les pieds. C'est la terre sur laquelle tu marches. Dans ce monde de la terre, tu ne sais pas réellement qui marche à travers toi, qui vit à travers toi. Tu ne sais même pas qui tu es réellement. Tu penses que tu le sais, mais tu ne le sais pas. Tu es ce que l'on t'a dit d'être, et tu ne sais même pas qui te l'a dit. Ensuite, tu entres dans les intestins. Tu commences à t'éveiller. C'est le passage de l'eau. Ce passage est très difficile car tu dois te faufiler. Tu dois aussi arracher quelque chose de toi, la peau de bête, un peu comme le serpent qui mue et se frotte contre les pierres pour enlever sa peau.
Il y a tout un travail à faire jusqu'à ce que tu arrives dans cette atmosphère beaucoup plus large, beaucoup plus grande. Qu'est le souffle, le monde de l'air, le cœur. Quand tu y parviens, tu t'approches du maître et tu mets en pratique ce qu'il enseigne. Tu commences à vérifier, à goûter l'enseignement. Quand tu vérifies par toi-même ce que le maître t'a enseigné, tu t'individualises. Tu n'es plus seulement en train d'écouter, tu participes. Tu rencontres alors le deuxième maître. Le maître universel, qui est au-delà du maître que tu vois physiquement. Il est dans ton cœur. C'est ton troisième père. Ce maître universel, il est tous les grands maîtres, tous les grands sages, dans tous les peuples. Quand tu t'éveilles dans cette alliance, représentée par la Ménorah, tu t'aperçois que tous les êtres envoyés par le Très-Haut sont sacrés et que toutes leurs paroles sont vérité. Quand l'homme porte dans son cœur la Ménorah, les sept règnes de la création, le maître devient universel. Porter dans son cœur la Ménorah, cela signifie que l'homme a trouvé sa juste place et qu'il équilibre tous les mondes. À ce sujet, l'archange Gabriel nous enseigne. Il est fondamental que l'homme se connaisse lui-même, qu'il comprenne sa place et sa mission au sein de la création. De tous les mondes, règnes et univers. L'homme doit être à sa place et accomplir son rôle pour le bien de l'ensemble. Et l'équilibre des mondes. L'homme se tient à la frontière des mondes. Il peut entrer à la fois dans les ténèbres et dans la lumière et apporter un équilibre, une guérison, une paix. Il peut appeler les mondes supérieurs et parler avec les anges, les archanges et les dieux. Mais il peut aussi se tourner vers les animaux, les végétaux et les pierres et entrer en communication avec chacun de ces règnes. L'homme est entouré de mondes et il est aussi porteur de mondes. Mais ce que vous devez comprendre et qui est essentiel, c'est que votre forme d'existence est faite pour que vous puissiez vous épanouir. Vivre et évoluer dans votre propre monde. Cependant, cet épanouissement doit se faire dans l'harmonie avec tous les autres règnes et mondes avec lesquels vous êtes en relation. Il ne faut jamais séparer les éléments de leur contexte et de leur monde. Pour les enfermer dans un environnement qui les étouffe et les rend faibles. Un élément, une plante, un animal, une divinité ne doivent pas être séparés de leur contexte, de leur respiration universelle uniquement pour satisfaire les besoins de l'homme. Le savoir, les vertus, la vie, sont des êtres vivants et ne doivent pas être enfermés, séparés,
conduit en esclavage et rendu faible. Pour diverses raisons, par inconscience ou par esthétisme, les hommes enlèvent sans cesse des éléments, des êtres de leur contexte, les mettent à un endroit, puis les laissent là, sans leur donner la vie, sans même penser qu'ils ont une vie. Si l'homme prend une coupe d'eau, il l'extrait de l'océan et la place devant lui comme un symbole de l'eau. Mais s'il ne place pas et n'active pas consciemment une écriture sur cette eau, il sépare l'eau de son contexte sans lui dire sa fonction, dans quel but il l'a mise là. Ainsi, l'être de cette eau est isolé, faible et ne peut plus communiquer avec son origine. Si l'homme dit que cette eau est là pour l'abreuver, lui permettre de se relier à l'eau divine, ou encore pour accueillir des essences de fleurs, cela active une écriture, un sens, une intelligence. Alors, l'être qui vit dans l'eau peut de nouveau communiquer avec l'océan, avec son origine. Dès que vous extrayez un élément de sa source, de son contexte, vous devez en être conscient et le prendre en charge dans votre vie en le nommant, en lui donnant une fonction, un rôle, un sens, une intelligence. Vous devez toujours être conscient qu'il vient d'une source, qu'il doit demeurer en contact avec elle et qu'il y retournera. Aucun être ne doit être séparé de son contexte, isolé, dégradé, emprisonné, privé de la relation avec sa divinité. Le feu vient du feu, l'air vient de l'air, l'eau vient de l'eau, la terre vient de la terre, et le savoir vient du savoir. Mais il doit être conscient qu'il ne doit pas les isoler et les couper de leur source, de leur monde, de leur origine. Sinon, c'est lui-même qui sera faible et conduit en esclavage. L'homme peut allumer une bougie, mais il doit être conscient que la flamme vient du Dieu du feu et qu'elle y retournera. Il doit dire à cet être pourquoi il est isolé. Quelle est sa fonction? Qu'est-ce qui est attendu de lui? Si l'homme ne le fait pas, il isole cet être, l'empêche de respirer et de vivre avec Dieu. Des mondes sombres peuvent alors apparaître et placer des symboles, des écritures, des fonctions, des images sur l'élément pour le capturer et le dénaturer. Le conduire en esclavage. Vous devez être conscient de ce que vous faites et développer une vision magique de la vie. Il n'y a rien de plus important que cette vision magique. Ce n'est pas une superstition, mais une sagesse, une sensibilité, une morale, une qualité de vie supérieure. C'est une science de la vie. Ils ne sauront pas ce qui est bien, parce qu'ils seront toujours dans un bien particulier, et jamais dans le bien universel. Tant qu'ils ne prendront pas en compte les minéraux, les végétaux, les animaux, la mer,
le Père et tous les mondes, ils ne seront jamais dans le bien commun. C'est quand tout ce corps est parfaitement constitué que le bien commun Dieu apparaît. La religion de la lumière est liée à la connaissance sacrée de l'utilisation de la magie divine. Les prêtres et les mages sont ceux qui activent la magie pour la gloire du Père de la lumière et non pour la gloire de l'usurpateur. Les Esséniens renouvellent la religion de la lumière sur la terre grâce à la bénédiction de l'archange Michaël. L'alliance de lumière dans tous les mondes. La menorah est l'alliance, c'est pour cela qu'elle figure au centre de notre drapeau. La menorah est le chemin de la lumière et l'outil magique qui triomphe de l'usurpateur dans la nation essénienne. Un homme seul ne peut rien, car il est en dehors de l'alliance. Même un groupe d'hommes ne peut rien, s'il n'a pas l'alliance avec le monde supérieur. Cette alliance passe par la pratique de la magie et la véritable religion. La religion est le fruit de la vraie magie, car elle seule permet de s'élever au-dessus de l'usurpateur. De la magie naît la religion de la lumière. La magie est dans le mage, c'est l'alliance de lumière. Le mage consacre les prêtres, mettant en œuvre la magie dans la religion. Ainsi, chacun peut tenir la corde, s'accrocher au lien de lumière qui unit et bénit les mondes. Cela se fait à travers l'organisation de la nation essénienne et la formation de sa structure terrestre. Chaque Essénien doit être dans ce grand corps pour former son corps de lumière, comme chacun a été dans le corps de sa mère pour acquérir un corps de manifestation physique. Ainsi, en devenant la religion de la lumière, la nation essénienne se libère du corps de l'usurpateur pour constituer le corps du Christ, le corps du béni, de l'envoyé et de la maison du Père sur la terre.